bien, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Slime Rancher. Je vais tout de suite baisser le son du jeu parce que sinon ça va pas le faire. Enfin là je baisse pas le son du jeu techniquement, je baisse le son de mon PC, mais c'est pareil, je l'ai mis à 70 sur le 200. Et je vais même le mettre à 60, voilà, parce que je suis un fou. Voilà, tout simplement. Donc on va recommencer une nouvelle partie. Je pense supprimer les 4 premières vidéos parce que bon, déjà il y a eu plein de mises à jour dessus depuis sur ce jeu là. Et en plus parce que c'était de la merde, voilà. Et je sais même pas si j'ai mes anciennes games. Si j'ai mes anciennes games, mais voilà. Bref. Donc on va faire une nouvelle partie. On va se faire un personnage. Donc oui, il y a des nouveaux trucs, des nouveaux machins et tout. Donc je serais d'avis qu'on se prenne le petit sort de raton laveur là. Lui il est mignon. Et on va se renommer The City Game. Voilà, comme ça je me saurais. Alors il y a aventure. Donc comme avant je pense. Voilà, et la rue est 5 jours. Ouais, et après la map s'arrête en 5 jours. Donc non, on va faire en entier. Je pense que c'est bon. D'accord. Ça te va comme ça? Un jeu existe déjà avec ce nom. Ah bon? Je l'avais renommé comme ça avant. Eh ben, The City Slime. The City Slime, on part dans le délire. Allez, on parle dans le délire de The City Slime. Donc voilà, donc bien sûr, vous aurez une barre en haut. J'en suis désolé, ça sera coupé en haut. Parce que pour que ma carte graphique, enfin, pour que ça marche pour enregistrer, il faut forcément que je ne sois pas en plein écran. Donc voilà. Par contre, la sensibilité saisie. Voilà, sensibilité de la souris, on va la baisser un petit peu. Ouais, bon, c'est un petit peu fort, mais c'est déjà mieux que rien. Donc, faut que je m'habitue encore avec... Ok, donc là, j'ai la molette ou le bouton 4 et 5. D'accord. Ça, c'est aspiré. Et ça, c'est envoyé, d'accord. Faut que je me réhabitue un peu, parce que même moi, je savais longtemps que j'ai pas joué, quand même. Donc là, on ne peut pas y aller. Voilà, ils ont amélioré aussi un petit peu les designs. Ils ont augmenté les prix aussi. Et ils ont mis plein de nouvelles zones, donc... ça c'est bien. Je pense que c'est le truc qu'on va adorer. Là-bas encore il y a une nouvelle zone. Regardez, on va y aller pour voir. Et on va être bloqué à ce niveau là, voilà. Et il faut la payer là. C'est bien parce que normalement s'ils avaient fait comme les autres, ils l'auraient mis ici le truc pour la payer. Bah là ils l'ont mis là. C'est bien. Et je crois même qu'il y a un plafond là-haut. C'est à dire on peut pas y aller au jetpack ou sur le côté. Il y a un plafond donc ça c'est bien parce qu'avant je crois qu'on pouvait y accéder même sans payer. Dans les toutes premières versions hein, je parle. Donc voilà, donc mon jeu est en 1080p parce qu'il était en 720p et je trouve que les graphiques sont beaucoup plus beaux comme ça. J'ai bien fait de changer les paramètres, tiens. Ok, donc on va aller se faire de l'argent. Quoi? Sont attelés dessus, tu sais. Ouais ouais je sais, t'inquiète. Molette, choisir le tank vac. Ok, ça, ça tire. Mais molette. Ah, il s'appelle tank vac, ok, mais parce que moi, j'appelle pas ça un tank vac, mais c'est pas grave. Donc, on va juste regarder quelle heure il est, à quelle heure j'ai commencé. Merci, tablette. À 13h, donc voilà. Donc, je voulais dire aussi, je peux faire cette vidéo parce que les ouvriers sont partis en pause déjeuner, les ouvriers qui font des travaux chez moi. Donc peut-être qu'ils vont revenir, donc peut-être qu'il y aura une coupure. Je sais pas. En tout cas, il est 1h. Je vais essayer, s'il n'y a pas de coupure, d'aller jusqu'à 1h30 en vidéo. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà commencer à prendre ça. Il y a des petits poussins, on va les prendre aussi. Donc j'ai le son du jeu, j'espère que vous l'entendrez, vous. Donc on va mettre les poussins là-bas, je pense. Non! Attendez, ici les poussins, là-bas les plantations, c'est ça? Et ici les slimes. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. De toute façon, on peut dilette un jour, hein, si on veut. Poulailler. Non, c'est pas de ligue droit, monsieur. Voilà. Donc on va aller chercher tout ce qui est bouffe etc vers là bas pour se faire un minimum d'argent et voilà. Alors le récif desséché, un plancher d'océan encoûté de corail qui se réjouit maintenant au soleil doré. Ok, donc avant c'était une mer. Ça je savais pas parce que je crois pas qu'il nous le disait au début.
Nourriture délicieuse acquise. Ouais, ça je connais, il y a certaines nourritures qui sur certains slimes, ils vont donner deux plortes au lieu d'un. Comme par exemple les radis pour les... comment ils s'appellent? Les bleus là, les bleus avec les pics. Et les... Pogo Fruit pour les... ceux qui sont là la nuit. Je crois que c'est les Pogo Fruit. Ou alors c'est les cubes. Je sais pas du tout. Non, je crois que c'est les cubes plutôt. Je vais aller déposer tout ça parce que là il y a une caisse. Attendez. Ah mais ma souris elle fonctionne, je peux la prendre comme ça. Avant je pouvais pas parce que ma souris elle déconnait, mais là je peux. Donc on va la déposer juste là, tu m'attends hein. On va pas en mettre trop non plus parce que sinon ils peuvent... J'en ai vu un partir mais il était pas en l'air en fait. Hop. Allez, et les deux Pogo Fruit. Allez. Hop, hop. Ok, bon. Hop, hop, hop. Donc on va attendre qu'ils mangent tout et puis on va récupérer. Ça va nous faire pas mal d'argent, c'est sympa. Ça, on va améliorer leur enclos direct parce que... parce qu'ils sont assez chiants, ces slimes-là. Alors, vous voyez un petit peu les prix. Ils sont pas mal le jour 1. Parce que 13, je crois que à partir du jour 2, c'est maximum 12. Donc voilà. Donc oui, donc j'espère que la vidéo ne lag pas. Normalement, elle lag pas avec cet enregistreur d'écran. Et de toute façon, si ça lag, ça viendra de l'enregistreur d'écran. Ça peut pas venir du PC. Parce que je suis à 60 FPS, ça descend même pas à 59 en fait. Ça reste à 60. C'est... Enfin, je pense que c'est plus haut. Mais c'est... C'est-à-dire que c'est ça peut pas monter au-dessus de 60 parce qu'il y a un logiciel qui bloque. Et je sais pas du tout lequel parce que ça bloque même sur Minecraft. Il y a aucun de mes jeux qui va plus haut de 60. Donc voilà. Qui l'a pas mangé? Pourquoi vous la mangez pas? Qui a faim? Qui a faim? Vous avez tous mangé, vous avez pas faim? Bah je vous la donne quand même. Rapportez-moi de l'argent, pauvre esclave. Donc on va pas récupérer de slime cette fois, on va juste récupérer de la bouffe s'il y en a. Non. Oui, je me suis gratté le nez et je regardais pas le jeu. Et alors? Y a aucun problème, on est d'accord. On va récupérer ça. Bye bye. Donc, les plortes. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de découvrir un petit peu tout le jeu. Même si moi, je le connais pas à 100%, mais au moins à 90%. On va essayer de le découvrir à 100%. Au revoir. Oh! Oh, j'ai cru qu'il avait despawn. Ah bah je voulais t'envoyer sur l'île, bon. Ça a pas marché. C'est bon. C'est pas de ma faute hein. Voilà, ici il y a un petit passage, je le connais bien sûr. Je pense que ceux qui avaient regardé ma série à l'époque, ils le connaissent aussi. Parce qu'il existait hein. C'est juste qu'ils ont amélioré les graphismes. Mais je crois qu'avant en fait, je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'avant ça servait à rien d'avoir son jeu en 1080p. Et alors que maintenant, bah ça sert. Parce que maintenant il est en 1080p, mais je crois qu'avant il avait une résolution 720p je crois. Et je crois que d'ailleurs c'était pour ça que je l'avais mis en 720p. Ou alors c'est peut-être parce que mon PC avant il ramait. C'est possible aussi. Mais bref. Là-bas aussi il y a une nouvelle zone, on va aller voir vite fait. Ok, il y a une nouvelle installation qui vient de se finir. Juste la vie, parce que je voulais vous faire une vidéo sur ce jeu. Oh! Désolé. Non! Viens là, STP. Oui, un chat tigré. Allez, on a un nouveau chat. Il y en avait deux. Ah non, par contre... Ah, ok, c'est bon. Ok, donc on récupère le maximum de trucs, comme je vous disais. Là, on peut y aller. Oula, si... Ah, il y a un passage secret en bas. On ira quand on aura le jetpack pour remonter. Parce que sinon, on risque d'être coincé en bas et ça peut être chiant. Surtout s'il y a des récompenses ou autre en bas. Donc, on va aller déposer ça. Alors, les slime tigrés, j'aurais peut-être pas dû les prendre parce que je n'ai... Ah si, j'ai l'argent pour faire un autre enclos, mais je préfère déjà améliorer celui-là. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite parce qu'ils peuvent s'échapper. Là, ils peuvent faire des tours et s'échapper. Donc, mur haut. Ah, j'ai pas assez. Mur haut et après on fera filet d'air.
Enfin, je sais pas si vous voyez. Et peut-être qu'après on fera les trucs musicales là pour qu'il ait... Enfin, qu'ils aient plus de... Enfin, qu'ils soient plus détendus à cause de la musique. Donc hop, boîte à musique, 350 et filet... Ouf. Non, fais clic gauche. Pourquoi je m'embrouille à chaque fois? Expliquez-moi. Voilà, vous mangez avant que ce soit pourri. Parce que oui, dans les toutes premières versions, ça pouvait pas être pourri. Maintenant, ça peut se pourrir. Je pense qu'on va passer la première nuit pour que eux ils mangent. Parce que le jeu joue quand tu... Quand vous passez la nuit. Voilà. Donc oui, on dort avec de la musique. Je sais pas si vous aurez bien entendu. Voilà, regardez, ils ont déjà tout mangé. Alors qu'il en restait pas mal, hein, avant d'aller se coucher. Lui, il va manger, normalement, il a du sang aux lèvres. Non, il en a plus, d'accord. Lui, il a du sang aux lèvres. Et lui aussi. Ah bah, il en a encore, en fait. Bon, on récupère le plort, on se fait de l'argent, parce que là, on en a vraiment besoin de cet argent-là. Donc oui, je récupère les slimes en même temps, mais c'est pour m'aider. Pour m'aider à... Enfin, j'ai pas appuyé juste sur les plortes. Je reste appuyé sur clic droit. Enfin, je peux me permettre maintenant que j'ai ma nouvelle souris. Que l'unboxing n'est toujours pas sorti au moment où je tourne ça. Mais il sortira normalement avant que je tourne ça. Donc oui aussi, je voudrais m'excuser qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment. Mais j'y peux rien. Déjà, il y a les travaux. J'ai eu des bugs de montage. J'ai des bugs de record aussi de temps en temps. Donc voilà, donc je suis désolé. Pourtant, j'avais dit dans une vidéo que les vidéos allaient revenir normales. Et ben, deux jours après, il n'y en avait déjà plus qui sortaient quoi. Elles étaient déjà revenues... en merde, comme on peut dire. Qui c'est qui l'a mangé? C'est toi qui l'a mangé, Bavir. Hop, hop, hop. Ah! Méchant. On va récupérer cela. Juste là, je récupère de la bouffe, parce que comme vous le savez, c'est la vie, la bouffe. Je peux pas les faire sortir encore, maintenant. Putain, ils ont tout mangé quoi. C'est des crevards de salauds hein. Non, des salauds de crevards, mais bon, on peut dire l'inverse, c'est pareil. Donc on va rentrer. Il est quelle heure? Ok, ouais, on est à une dizaine de minutes, ça va. Peut-être un peu plus, mais c'est juste que je regarde l'heure pour pas vous faire une vidéo trop longue, parce que sinon bah vous avez pas trop aimé, je pense. Même si vous aimez bien mes vidéos apparemment, mais... Alors par contre, je sais plus si quelle touche pour allumer la lumière, parce que je crois qu'il y avait une lumière. Attendez. Attendez, puisque j'avais déjà joué l'autre jour et j'avais vu qu'il y avait une lumière. Lampe de poche, oui c'est F, parce que je m'étais trompé, je voulais ouvrir l'inventaire avec F. Et voilà, ça fait ça. Bon là, on voit pas trop... Mais ça fait ça, et je pense l'allumer des fois la nuit pour vous montrer un petit peu comment c'est. C'est rien d'exceptionnel, hein, mais c'est quand même sympa parce qu'avant on voyait presque rien la nuit. Là on voit. Ce qui est bien qu'on ait passé la nuit, c'est que les poulets, enfin les petits poulets qui étaient dans, excusez-moi, dans mon enclos, et ben ils ont poussé maintenant, enfin ils... Désolé, je ne voulais pas dire cette phrase. Non, un poulet ne pousse pas. Un poulet grandit. Alors oui, j'ai fait pousser du poulet hier. Oui, c'est pour ça qu'il y en avait autant dans le KFC. Ce placement de produit ne s'est pas vu. Je rigole. C'est bon. Bref, donc voilà, donc là normalement ils peuvent plus s'échapper. Mais ils peuvent quand même casser la barre en haut. Mais il n'y en a pas assez pour la casser, donc c'est bon. Prochain objectif, faire un deuxième enclos pour les slimes tigrés. En sachant... Ouais, ils ont grandi. Ah, il n'y a eu aucun code, ça c'est con, parce qu'ils auraient pu se reproduire. Enfin, il faut d'abord faire ça pour qu'ils se reproduisent, mais... Vous avez compris le délire. Enfin, je pense, et j'espère. On va aller en rechercher. Pas mal de bouffe. Mais on va aller un petit peu plus loin maintenant pour avoir de la... d'un autre type de bouffe. Non, non, bande de connards, bah. Allez, donne-moi mon porte. T'as pas de chance.
Hop, donc on va aller un petit peu plus loin. Parce que moi je connais le jeu, donc je peux... Je vais même regarder des vidéos sur les dernières mises à jour, donc je suis bien informé s'il y a des nouveaux boss ou autres. Même si je me rappelle plus trop d'où c'est qu'il y a les boss, je sais qu'il y en a un là-bas. Ouh là là ! Oula. Genre... Ah bah au revoir. On est en bas. Comment on remonte ? Je crois qu'il y a un passage là. Ouais, ok, c'est bon. C'est ici que je vous avais dit... Ah, ils ont augmenté le spawn de tigres, puisqu'avant, il y en avait très peu ici, des tigres. Alors, j'ai... Ah, il y a déjà des gros, quoi. S'il vous plaît, les gros, ne venez pas sur moi. Je peux pas récupérer les plortes. Bon, c'est du gaspillage, mais bon. J'y peux rien, hein. Là-haut, normalement, il y a masse bouffe. Ouais, voilà. Même s'ils ont déjà commencé à tout bouffer, mais... Oui, il faudra une amélioration pour ça. On peut plus la prendre comme avant. Direct. Ok. Donc là, je suis déjà full, c'est ça que tu es en train de me dire. Enfin, je peux pas prendre plus parce qu'il n'y a rien d'autre. D'accord. Bon, bah, on va rentrer. On a des slimes encore nouveaux. Je vais arrêter de prendre les slimes. Il me faut que de la bouffe et des plortes. Voilà. Parce que si je prends des slimes, en fait, le problème... Bah, c'est que... Où les mettre, en fait? Ah, là-bas, il y a du plort. Où vais-je les mettre, en fait? C'est ça, mon petit souci. Non, c'était pas du plort, ça. Ok, j'ai cru. Bon. Donc, en tout cas, pour tous ceux qui ne connaissent pas le jeu... C'est un très beau jeu. Bah, je sais pas comment vous expliquer, mais ce qu'on doit faire, on doit contrôler un ranch avec des slimes. Pour gagner en leur donnant à manger, ils font caca et on gagne leur caca pour les vendre. Voilà, et ensuite, voilà. Alors par contre, si... Non, on peut... Il n'y a pas un inventaire pour... Non, ça c'est la lampe torche, ouais. Enfin, non, il n'y a pas d'inventaire pour déplacer les trucs dans le... L'inventaire. Et c'est réaliste parce que dans la vraie vie, t'as pas d'inventaire. Tu ouvres pas une barre sur toi, tu fais pas... Ouh là 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 là, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi, tu vois? Enfin... Le jeu est l'inventaire le plus réaliste, je trouve. C'est The Forest parce que tu ouvres un sac, en fait. C'est un sac avec... Comme si tu posais par terre tes affaires. Voilà. Bon, après, c'est vrai que Subnautica, c'est assez réaliste aussi parce que c'est un petit truc. Une sorte d'ordinateur qui te dit tout ce que t'as. Mais un ordinateur ne... Enfin, là c'est dans le futur, mais vous avez compris le délire, un ordinateur n'a pas de... Ne peut pas te sauvegarder des machins réels, quoi. Je sais pas si vous comprenez. Ah, il y a masse bouffe. Je vais vite aller chercher. Il faut que j'aille chercher. Merde. Parce que là, je peux me faire pas mal de plortes avec tout ça. Donc ça, ça peut être pas mal. Il y en a encore sur l'arbre, on va récup. Tous ceux qui sont pas poussés, on peut les faire pousser plus vite en les attirant avec notre aspirateur. Ça, c'est bien. Je crois que dans les toutes premières versions, on pouvait pas. Après, ils ont amélioré et tout. De toute façon, tout jeu s'améliore. Hein. Une caisse. Même le jeu le plus nul du monde peut s'améliorer en un super beau jeu. Enfin, même si celui-là, c'est pas le plus nul du monde, hein. Il est vraiment très beau. Merci. On reprend la caisse. Pas la caisse, la Lamborghini, hein. Je pense que vous m'aviez compris, mais j'avais envie de faire une blague, tu vois, pour vous faire rire un tout petit peu, au moins. Parce que sinon, c'est pas drôle. C'est vrai que si vous rigolez pas, c'est vrai que c'est pas drôle, mais... Ok, je suis parti dans un délire de blague. Le genre de blague à ne pas faire. Nah, elles sont aussi solides qu'avant, hein, les boîtes. Hein. Merci. Oh. Non, il me l'a mangé, ce salaud. Oh, je vais revenir te tuer. Ah, j'ai joué, je reviens te tuer. Parce que c'est... Les Stony, je sais pas quoi, bon, on peut en avoir. Mais c'est super dur. Enfin, c'est pas super dur, mais vous m'avez compris, c'est... C'est plus dur que les normaux, quoi.
Ouais, j'allais dire les normales. C'est pour ça que ça a fait les normales. Les normaux. Enfin, les normaux. Enfin, un truc dans le genre. Enfin, bref. Et les betteraves de cœur. D'accord. Merci à la traduction. On les fera pousser parce que c'est la nourriture préférée des slimes rocheux. Donc là, techniquement, on est un petit peu bloqué. Sauf en prenant les plortes là. Ouais, mais le problème, c'est qu'on est full. Donc, les slimes peuvent voler. Bon, après, on a un toit, mais... ça peut bugger un petit peu comme ça. Qui me soulève un petit peu et... Enfin, ça fait un truc chelou à l'écran. Ça peut vous donner envie de vomir. C'est vrai. C'est vrai. Mais faut pas le dire. Vous voyez, 8. En fait, chaque jour, pour ceux qui connaissent pas, chaque jour, ça, ça change. Un petit peu comme les promotions, les soldes, les machins. Ou même les jours où c'est que c'est la crise économique. Et ça, ça change. Et voilà. Et donc, bah, on vend. Voilà. Donc ici, je vais mettre les rocheux et là-bas, les tigrés. Donc, je vais d'abord commencer par les rocheux, je pense. Non, parce que j'ai plus de tigrés. Attendez, c'est lesquels qui rapportent le plus d'argent, les tigrés ou les rocheux? Les tigrés. Donc, on va commencer par les tigrés, vu qu'ils mangent de la bouffe et qu'on a déjà un élevage de bouffe. Donc, les tigrés, on les mettra là. Voilà. Par contre, je pense pas mettre les 11 parce que sinon, ils peuvent sortir. Attendez, quoi que... Parce que eux, ils sont encore plus agressifs que les autres, hein, c'est... On va essayer de récupérer leur plorte à eux pour créer un toit aux autres. Voilà ce que je vous disais, donc on va les récupérer. On va les récupérer, il faut au moins une deuxième hauteur. Ils sautent plus haut, en fait. Donc ça, c'est assez problématique. Est-ce que je suis un pro? Oh oui! Donc, on va récupérer un petit peu de poulet, on va se faire de l'argent avec ça. Voilà, il en reste deux, ça sera assez si on trouve un coq. Pour ce que tu sais. Voilà. Et mangez s'il vous plaît, j'ai besoin de votre caca. S'il vous plaît, à toi de manger là-bas. Toi là, t'es pas totalement souriant. Tu souris pas beaucoup. Ok, merci, au revoir. Vous retournez dans mon aspirateur. Dit comme ça, ça fait chelou. Cette nuit-là, on va la passer avec ma lampe torche, je pense. Oh, regardez. Attendez, on va attendre qu'on ait de la barre d'énergie. Regardez, c'est pas l'aspirateur qui fait de la lumière. C'est un truc qu'on a sur nous. Regardez, parce que quand on court et que l'aspirateur vise autre part, ça, la lumière reste au même endroit. Ah, je pensais que moi c'était aspirateur. Alors, 3 plortes comme ça. Et 24... ça nous donne quoi? Allez, on le fait. On le fait, on est des malades. On va d'abord aller chercher les plortes. Il en faut 3, donc ça, ça va. Ok, il y en a bien 3. Je vais même en prendre plus pour pouvoir les revendre. Au revoir. Hop. Allez vite. Ça, on va pouvoir en revendre un et utiliser les 3 autres pour avoir de la... des machins. Attendez, petite ellipse. Et bien re, donc voilà, donc c'est bon, donc on est de retour ici, donc je vais juste, donc après une longue ellipse, hein, voilà, je le dis, parce que vu que l'ouvrier est revenu, et eh ben, il a fait ses travaux, et maintenant, ça fait 4 heures, voilà. Donc, on va aspirer 24, enfin, on peut en avoir que 20, mais on reviendra en chercher, machin, comme ça. Voilà, on va aller en chercher 4. Enfin, tout le lot, là, comme ça, on va pouvoir en remettre dans notre enclos. Allez, et puis toi. Et on va se dépêcher parce que je sais que les offres peuvent dispo, entre guillemets, donc c'est pas... Voilà. Et j'ai vu que l'autre séquence était déjà 24 minutes, donc ce que je vais faire, je vais juste faire ça, et puis je vais couper. Et je vais faire l'épisode 2 parce que ça me donne envie, voilà.
Ah oui, alors ça, ça va être le point négatif. Voilà, c'est qu'il va falloir tout retrouver après. Donc là, ça, j'en avais 7. Voilà, donc toi, t'en es un, non? Ah non? J'en ai perdu un. Bon, bah, c'est pas grave. Ah, elle est là. Donc, si j'en ai pas perdu un, j'en ai perdu une, plutôt. C'est déjà mieux. Alors, je sais que eux ils peuvent pas s'échapper, donc vous pouvez en mettre la masse. Hein. C'est juste que à un moment, ils se reproduiront plus. Mais pour l'instant, se reproduire, ça ne sert à rien à nous. Enfin, c'est pas que ça ne sert à rien, c'est qu'on peut pas encore. Et on se lancera dans ça après, je pense. L'élevage de tout ce qui est animaux, culture, etc. On se lancera dans ça après, parce que pour l'instant... pour l'instant, on récupère de l'argent pour faire des trucs pour nos slimes. Voilà, donc j'ai remis le jeu à 60, enfin mon PC à 60. Normalement, vous devriez pas avoir le son trop fort. J'ai regardé la vidéo juste avant, c'était pas trop fort. De toute façon, si c'est trop fort, je modifierai. Voilà, dans les prochains épisodes, peut-être pas pour l'épisode 2, parce que je vais le record tout de suite, mais pour les prochains épisodes. Voilà. Merci téléphone. Merci. Les seules fois où tu fonctionnes, c'est pour rien faire. Enfin, fonctionner à moitié, parce que vu qu'il a plus d'appareil photo et de sa batterie se décharge bien vite, je lui ai retiré sa carte SIM, donc maintenant... Voilà, et d'ailleurs, je vais le mettre sur silencieux. Enfin, il déconne quand il veut, hein, parce que hier, j'ai retesté l'appareil photo, il a fonctionné bien. Enfin, le machin, voilà. Bref. De toute façon, hein. Là, normalement, je devrais bientôt recevoir la facture. Oui, parce que j'en ai pas eu. Donc, j'ai recontacté Cdiscount pour en avoir une. Normalement, si j'en ai pas une, faut que je les recontacte. Donc, c'est ce que je vais faire si j'ai pas eu, hein. Bien sûr. Et j'en ai entendu un manger. Enfin, deux manger. Merci. J'avais 8 carottes, j'en avais pas 7. Je sais pas. Je suis fort. Oui, je suis... Non, ça, c'était nul, par contre. Regardez. Non, tu ne partiras pas. Ah, j'aurais pu l'arrêter avant, mais je suis nul, comme vous pouvez le remarquer. Donc, on va mettre filet d'air, voilà, et on peut, je pense, déjà en mettre, peut-être pas tout, parce que je crois qu'ils vont le casser, le filet d'air. Ouais, regardez comment il saute. Bah, ils peuvent le casser, mais après, ils se réparent de toute façon. Mais tant qu'il est cassé, ils peuvent passer. Hein. Donc, on va leur donner leur nourriture préférée. C'est-à-dire les stones. Oui, parce que je connais un petit peu, quand même. On va leur en donner 4, vu qu'on en avait 7. Donc, il nous en restera 3. Alors, vous là. Voilà, et comme vous le voyez, ils en donnent 2 à chaque fois qu'ils bouffent 1. Donc ça c'est pas mal. Toi t'es full manger. Toi t'es pas full manger. Toi t'es pas full manger. Et bah toi apparemment non plus, parce que tu es en train de manger. Voilà. Mais maintenant tu es full manger. À vous deux de manger. Voilà, tu vas manger. Voilà. Je te laisse manger, je reviens. D'accord. Je vais mettre le caca de tes potes. Hein. Et je reviens. Il l'a bouffé. C'est pas grave, on va en envoyer un autre dessus. Il devrait bien en avoir un qui a faim là. Ah merci. Ok. Donc on va leur mettre mur haut dans le prochain épisode, parce qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Voilà, donc en tout cas, bah, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Un max de likes si ça vous a plu pour le retour de cette série. Ça me ferait très plaisir. Voilà, c'est... Enfin, le retour de cette série, plutôt le recommencement de cette série. Il y a pas mal de séries qui vont recommencer comme ça. Comme par exemple le tuto du Titanic sur Minecraft. Il recommencera mais sur version PC, donc voilà, ça sera beaucoup mieux pour avec World Edit, etc. Mais voilà,
Et puis voilà. Et puis plein d'autres séries comme ça qui vont recommencer sur mon nouveau PC. Mais voilà, donc en tout cas, bah moi je vais vous laisser pour le prochain épisode. Et puis bah je vous dis à plus les amis. Allez, bye bye.